Chers compatriotes camerounaises et camerounais, I will begin my speech by extending my deep gratitude to you. A year ago, in the perspective of the African Cup of Nations that we hosted, I called on you to disregard the slippages and the mismanagement to give our indomitable lions an unprecedented support. This call has been vigorously followed in effect, and it is the place to regret again the death and injuries that have marked this patriotic moment. These unfortunate incidents are the indelible mark of the inconsistency and the pathological carelessness of some of our leaders. Chers compatriotes, en 3 ans d'exercice du mandat de député, la session de décembre 2022 a été pour nous l'une des plus écœurantes. Nous avons vu devant nous le gouvernement déployer son inhumanité sans le moindre scrupule. Comme si le scandale des fonds Covid ne suffisait pas. Comme si l'entassement des morts au nord-ouest et au sud-ouest ne suffisait pas. Comme si les kidnappings dans la Damawa ne suffisaient pas. Comme si le scandale des 10 000 puits de l'extrême nord, promis depuis 2000, ne suffisait pas. Comme si les lâches assassinats de Boko Haram ne suffisaient pas. Comme si la recrudescence de la délinquance juvénile ne suffisait pas. Comme si le scandale des complexes sportifs de la CAN ne suffisait pas. Comme si le scandale OTS des enseignants ne suffisait pas. Comme si le scandale de la carte nationale d'identité ne suffisait pas. Comme si la braderie des ressources minières et forestières ne suffisait pas. Comme si le scandale des lignes 65 et 94 ne suffisait pas. Comme si l'augmentation vertigineuse des prix des denrées de toutes sortes ne suffisait pas. Alors même que dans tous les pays de niveau de développement comparable au Cameroun, les gouvernants relèvent le pouvoir d'achat et effectuent des pauses fiscales pour aider les populations à faire face à l'inflation mondiale provoquée par la crise ukrainienne. Notre gouvernement a choisi de façon glaciale d'assombrir davantage l'horizon. Il a décidé pernicieusement, entre autres, d'augmenter le timbre fiscal de 50%, la vignette automobile de 100%, d'augmenter le coût douanier des produits importés et d'organiser la spoliation des terres des plus pauvres par les plus riches. Les 17 amendements et les solutions alternatives concrètes que nous avons proposées ont été balayés avec le plus grand mépris. C'est le lieu de rappeler qu'en décembre 2021 déjà, nous avions formellement saisi le président de la République pour lui proposer des mesures d'élargissement de l'assiette fiscale par le démantèlement des niches d'évasion et la mise en œuvre des modalités de dévolution du produit de ces mesures aux collectivités territoriales décentralisées et à la transformation locale. Rien n'y a fait. Tout ceci confirme une seule chose. La précarité des masses et la corruption qu'elle engendre sont les seuls leviers de gouvernance de ceux qui, depuis 40 ans, nous gouvernent. Ils sont convaincus que c'est en appauvrissant davantage le plus grand nombre que le groupuscule qu'ils sont continuera à contrôler la situation. Nous devons leur prouver le contraire. The resilience that we have admirably chosen as our refuge must not in any way dampen our relentless commitment to change. And the proof is in the Cameroon Party for National Reconciliation, CPNR. Our 9 cooperatives are getting up to speed. Our seed fields and schools are evolving well. We are at your side and courageously carrying the social concerns. On the national ID and related issues, we have never stopped questioning and proposing. The results, although insufficient, are being felt. The police officers tell us so. On the subject of the Anglophone crisis, the CPNR reiterates 3 measures: reconciliation, dialogue, and state reform. With regard to reconciliation, we propose the release of all prisoners who propose to work for peace. Since the Great National Dialogue, we have asked the government accede to the offer made by Mancho Bibixi and Galim Felix, 2 emblematic figures of the crisis and of reconciliation. In the same vein, we haven't ceased to demand the release of all 2018 post-electoral crisis prisoners. As for the dialogue, we keep proposing that as many grand dialogues and as necessary be organized
with different actors in order to reach a peace agreement at all costs. Regarding the structural reform of the state, we are outlining it in our political offer of community federalism. Sooner or later, we will have to break with the post-colonial state and build a successful decentralization around a state that federates our identities, inspired by federalist philosophy that best suits a society as diverse as ours. Nos élus municipaux démontrent chaque jour davantage par la vision, le professionnalisme, l'esprit de dialogue et de consensus, de réconciliation et d'ouverture, la planification et la transparence rigoureuse des actions visibles et palpables que la relève voulue par tous existe. Nos députés sont proches et à l'écoute de leurs électeurs. Avec ce qu'ils ont, ils font des merveilles pour leur base. De plus en plus de jeunes reçoivent leur accompagnement dans leurs initiatives entrepreneuriales. À l'Assemblée nationale, même si toutes nos propositions d'enquête parlementaire sont restées lettres mortes, nous adressons avec constance, perspicacité et pertinence les questions qui vous concernent. Pour mériter votre confiance, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour remplir notre mandat. Vous pouvez vous-même en témoigner. Comme vous pouvez le voir, le PCRN, par le travail et la détermination, a réduit au silence les sceptiques et les nihilistes. Du 16 au 18 décembre 2022, s'est tenu en Ngaoundéré son deuxième congrès extraordinaire sous le prisme de l'ordre interne et de la puissance externe. Un millier de militants venus des 58 départements du Cameroun s'est livré à une profonde concertation pour poser le socle d'une inébranlable refondation. Cette rencontre au cœur du château d'eau du Cameroun a fait jaillir des certitudes d'une imparable fulgurance politique. Les réformes structurelles adoptées en Ngaoundéré verront le couronnement de leur implémentation au premier congrès ordinaire de Kribi en décembre 2023. Vous pouvez donc faire confiance au PCRN. C'est l'antre de l'avenir. My fellow Cameroonians, if we remain inactive, these rulers who overburden us with their inconsistencies and condescension will perpetuate themselves in power. It has been long that our future is not longer of concern to them. They have compromised it and they want to continue compromising it by staying in power. Is it no hazard that they do not want to reform the electoral code? It is not hazard that they make resources scarce. It is not hazard that they build clans of successions. It is no hazard that they insinuate the scandalous idea of parachuting the son to replace the father. Ce n'est pas un hasard qu'on veut absolument vous faire croire que vous ne pouvez rien faire face à l'argent et à l'armée. Mais soyez rassurés, ils ont plutôt peur de vous. Vous, une armée de jeunes déterminés à prendre en main son destin et à qui je veux m'adresser spécialement. Si vous continuez à vous désintéresser de la question de l'alternance, vous serez comptable de la destruction de votre avenir. En 2018, j'ai osé. En 2020, d'autres jeunes ont osé. Pour 2023 et après, plus de jeunes encore devront et vont oser et surtout réussir. Et c'est de ça qu'ils ont peur. Sachant cela, les incompétents passent désormais leur temps à nous discréditer, à nous présentant comme des fabrications du parti au pouvoir. Comme ils sont habitués à leur micmac fait de rencontres nocturnes et diurnes, ils veulent noircir les jeunes qui sont et feront le changement. Ne croyez pas un seul traître mot de ce qu'ils disent. Et bien mieux, faites échec à leurs mensonges. Oui, si vous n'osez pas quand vous êtes jeune, quand le ferez-vous donc? Êtes-vous prêt à laisser des prédateurs sans cœur briser vos rêves? Je ne le pense pas. Nous ne sommes pas et nous ne serons jamais la fabrication d'un système corrompu et à bout de souffle. C'est pourquoi je lance un appel à la mobilisation. Oui, jeunes Camerounais de 20 ans, révolus, du nord au sud, de l'est à l'ouest, prenez les choses en main. L'arme fatale en démocratie, c'est la carte d'électeur. La cloche de la mobilisation électorale sonne. C'est maintenant ou jamais. Rions-nous vers les antennes et les camdels le 3 janvier 2023 et grossissons les rangs du régiment démocratique afin qu'advienne le Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Ensemble, construisons un Cameroun où chacun a sa place. Éloignez-vous des défaitistes et des résignés. Suivez l'appel de l'histoire. Tenez, Ossendé Afana a commencé à 20 ans. Ernest Ouandié a commencé à 20 ans. Félix Roland Moumié a commencé à 22 ans.
Ruben Umniobe a commencé à 33 ans. Amadou Ahidjo a commencé à 23 ans. Vous, c'est maintenant que vous devez commencer. Amis, c'est l'heure de la jeunesse. May 2023 be for all of us a year of commitment, health and favor. May God fill us with his grace. Happy New Year 2023 to all of us.